Hey, salut à tous, c'est Fox et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ETS2. Il s'agit de l'épisode 120. J'aurais jamais cru qu'on serait arrivé jusqu'à 120 épisodes sur ETS2. Eh ben si, chose faite, rien de particulier pour cet épisode, sauf que toujours un petit sujet, toujours quelque chose à vous apprendre, quelques effets à l'écran, quelques bruitages, quelques et moult choses. Donc épisode 120 où on se retrouve à toujours avec notre Scania S730 qu'on avait laissé avec Jérémy, rappelez-vous, cette arrivée fantastique au niveau de à la station d'essence avec le coup de volant qu'il nous avait donné. Alors S730 chevaux, confirmation, parce que la dernière fois lors de l'épisode 119, Jérémy m'avait posé la question et puis boum, je ne savais pas, mais c'est bien ça, 730 chevaux. J'ai regardé après. Donc nous sommes pas loin de Reims, à 12 km environ. Nous sommes à l'est même de Reims. Donc Reims, avant d'aller plus loin, qui se situe dans le département de la Marne, en région Grand Est. Voilà. Nous, on va filer direction la Belgique tout de suite. Alors on y va. On perd pas de temps parce que j'ai entendu à la météo, enfin à la radio tout à l'heure. On va passer de ce côté cette fois-ci. Hop là, clac Kodak, c'est parti. Voilà, nous sommes dans le camion, il fait toujours un petit camion aussi sympatoche. On a laissé la canette de Fanta du fiston, cette fois-ci c'est moi qui suis au volant. Et je vous le rappelle, ce Scania est en automatique, il n'y a pas les vitesses. Donc si vous ne me voyez pas ici, là, voilà, la petite boule là que vous voyez. Si je ne passe pas les vitesses, c'est tout à fait normal, c'est qu'il est en automatique. Alors, jolie petite citerne, le camion vient de faire le plein. Nous, on va démarrer le bousin et la musique va s'enclencher parce que quand je démarre, la musique y est, hein. Ah, c'est bon ça. Alors, le petit bip que vous entendez, j'ai pas relevé son pseudo, je m'en excuse, mais c'est en fin de compte comme quoi l'air. Je crois que c'est une histoire d'air, c'est pas comme quoi le moteur a démarré. Alors je mettrai en bas qui l'a dit, son pseudo, et je mettrai la petite description pourquoi il y a ce fameux bip. Alors j'essaierai de vérifier quand même avant de mettre une connerie à l'écran, parce que c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai, c'est peut-être faux. Voilà, alors moi ça me fait plaisir de me retrouver au volant de ce petit Scania. Alors certes, ça ne va pas être la même conduite que le fiston. Mince, j'ai le frein de parking. Hop, on met le GPS comme ceci. Voilà, allez, mais c'est parti. Quoi, appuyer sur la touche pour arrêter le moteur. Je veux pas arrêter le moteur. Ce que je voudrais, c'est m'en aller d'ici. Alors, moi, j'ai pas eu la chance de se conduire ce Scania. J'ai quand même demandé au pompiste qui me vérifie quand même la pression des pneus, qui vérifie un peu tout le tralala. Alors, ah mince, je passe la vitesse, mais il n'y a pas besoin. Bon, normalement, ça devrait être bon. Allez, je recale ma vue. Et on est parti. Direction la Belgique. Alors, je transporte toujours ce fameux yacht qu'on doit livrer à Liège. Un petit peu à... Ben Liège, j'allais dire à l'est de Liège, non, même pas. Alors, vous devez remarquer quelque chose de bizarre. Il est 9h13 du matin et toutes les voitures que j'ai vues en attendant de... Parce que j'ai été pissé dans l'herbe juste avant. Et justement, toutes les voitures qui arrivent de la Belgique, hein, parce que la Belgique est pas si loin que ça, hein, et bien finalement, elles arrivent avec les phares. Et ce qui m'inquiète, j'ai entendu à la radio... Il n'y a pas longtemps là qu'il allait y avoir un orage de fadingue. Alors je ne sais pas, ça sera une première si j'arrive à Liège avant l'orage. Mais d'après qu'on va vous avez vu les feux des voitures, hein, je raconte pas de bêtises. D'ailleurs à propos de ça, on va quand même mettre je vais quand même mettre les feux parce que le temps il est chelou. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais regardez comme ça a l'air de s'assombrir, hein. Il faisait meilleur tout... Mais il pleut. C'est bien ce qu'il disait. On va mettre les essuie-glaces. Voilà. C'est une première. Il y avait longtemps que j'avais... Ah oui, mais alors... Alors c'est vraiment un fait d'hasard. C'est pas prévu du tout. C'était même pas calculé. Mais c'est vrai que je m'étais dit... Je vais faire ça comme une petite intro. Je vais dire qu'il va pleuvoir et tout. Mais finalement, mais il pleut. Oh là là, mais c'est terrible même.
Mais c'est terrible, c'est terrible. Donc, on va passer au nord du Luxembourg. Ah, mais il y a même de l'orage. Mais c'est là. Il y a même de l'orage et tout. Alors, on va passer au nord du Luxembourg. Ah, il faut que j'active les... je sais pas, les essuie-glaces, j'utilise jamais. Ah. Oh, putain de nom de Dieu. Mais c'est que ça, ça. Ah, ben voilà. Ben, franchement... Eh, franchement, c'est vraiment une... c'était pas fait exprès du tout. Mais alors, je suis bluffé. Parce qu'il y a déjà 2-3 épisodes de ça, j'ai installé un mod qui est, en fin de compte, développé par la Dev Team Germany, voilà, plus exactement. Et regardez l'eau sur le pare-brise ou sur la fenêtre à côté de moi, à gauche de moi. Mais franchement, c'est bluffant. C'est bluffant comme quoi c'est vrai, quoi. La route... On va faire un visu extérieur. Alors, oh là 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 là, je sais pas dans quoi je me suis embarqué. On va rouler quand même doucement. Ah merde, c'est vrai. J'ai pas les vitesses. Ah, là, 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 là. Bon, on va essayer de pas faire quelque chose de fantastique. On va essayer d'être tranquille. Alors, normalement, dans cet épisode 120, nous devrions arriver sans problème. Sans problème, on devrait arriver à Liège. Voilà, donc... Il faut que je regarde quand même mon GPS parce qu'au marqueur 3, entre le marqueur 3 et 4, on passe à la frontière et on passe bien sûr en Belgique. Et c'est à ce moment-là qu'on passera au nord du Luxembourg pour aller livrer cette fameuse cargo. Ah ouais, ben alors là, ils se sont pas trompés. Mais alors pas trompés du tout, quoi. Il manque plus qu'un typhon et puis on y est. Voilà, alors en même temps, ce que je voulais vous parler... Suite à l'épisode 119, l'arrivée fantastique du fiston Jérémy avec ce fameux carton rouge. Est-ce que je vous avais demandé de participer un petit peu, petite vidéo interactive de l'ordre de l'épisode 119, où je vous avais demandé dans les commentaires de noter Jérémy de 0 à 10. Alors bien sûr, de 0 à 10 sur 10 pour évaluer, noter sa conduite lors de l'épisode 119. Et croyez-moi, il y en a eu des notes. Alors, je vais vous faire un petit topo. Je vais le doubler, lui, parce qu'il fait 20 ans pour tourner. Voilà, il n'y avait personne devant, hein, tranquille. Voilà, hop, je vais enlever le clignotant. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que déjà, merci à tous d'avoir participé. J'ai eu, à l'heure qu'il est, au moment où je tourne cet épisode 120, j'ai eu plus de, je veux pas dire de bêtises, j'ai eu plus de 72 notes. J'ai récupéré les notes des commentaires YouTube, des messages privés et des messages sur Facebook et en message privé sur Facebook. Il y a eu plus de 72, oui c'est ça, 72 commentaires, messages où il y a eu une note donnée. Déjà, je voulais vous remercier de ne pas avoir été aussi méchant dans les commentaires ou messages avec Jérémy, parce que j'avais peur qu'on se dise il conduit, c'est nul, machin. Enfin bon, vraiment des commentaires pas tellement sympathiques. On peut dire une note de 1, de 0 sans être méchant. Et c'est ce qui a été fait sur tout le monde après. Il n'y en a eu qu'un. D'ailleurs, que j'ai banni. Je me suis dit, il y a longtemps que j'en ai pas banni un. Ça n'a pas été insultant. Mais ça a été une succession de messages via Facebook, en message privé en plus, et il m'a gonflé. Du coup, je l'ai viré de la page Facebook et de la chaîne YouTube, parce que j'estime que même si Jérémy, c'est vrai, que n'avait pas conduit vraiment, il faut comprendre ça dans l'amusement. Il y a une partie avec Jérémy qui est beaucoup plus amusante ou plus divertissante que moi quand je suis tout seul, c'est normal. Il y a de l'imprévu, il y a Jérémy, sa façon de faire et tout, que moi j'accepte. Donc si j'acceptais pas, je ne referais pas de vidéo avec mon fils. J'estime qu'il n'y a pas lieu d'être méchant, sans être insultant, mais il n'y a pas lieu d'être méchant. On n'est pas là pour ça. On est là parce que je vous ai simplement demandé de participer en interaction un petit peu avec les vidéos que je fais ou la vidéo sur le moment que j'ai faite. Donc voilà. Donc pour revenir un petit peu à ces 72 notes qui ont été données, à l'heure qu'il est, j'ai fait la moyenne de toutes ces notes et on est à 5,2. On
en est à 5,2. Mais ce n'est pas la note définitive, parce qu'il y a encore du petit 10, du petit 9 qui tourne. Alors, la prochaine vidéo qu'on fera sur l'épisode 121 avec Jérémy, j'espère qu'il sera là, et bien justement, on vous donnera la note finale. Et c'est là qu'on saura. Et bien, il est fou. Et c'est là qu'on saura si on a gagné ce fameux Panini ou pas. Alors attention, parce que la règle a un petit peu changé. Je lui ai dit, je lui ai fait même un petit cadeau. Je lui ai dit, si c'est au-dessus de 5, il y aura un Panini. Si c'est en dessous de 5, tu payeras le Panini à Miss, à moi, et puis à lui, bien sûr. Donc, c'est moi qui nous paiera le Panini. On fera une petite soirée Panini 4 fromages. Donc, voilà, voilà pour la petite... des notes, des du petit comment mais je sais plus, j'ai perdu le mot, du petit pari qu'on a fait entre nous. Si vous n'avez pas vu l'épisode 119, regardez-le et vous comprendrez pourquoi je parle de tout ça. Voilà, on va arriver en Belgique, on va arriver en Belgique. Alors il n'y a pas eu de panneau pour le moment à l'écran parce que tout simplement, mais on n'est pas passé dans un petit village où dans une bourgade, dans un bourg, dans un lieu dit, dans un village, voilà, tout simplement, ou dans une ville. Voilà, alors normalement, on passe en Belgique. On vient de passer le marqueur 3 et 4, mais c'est bizarre, je m'attendais à une frontière, à quelque chose. Alors attendez, il y a marqué quoi? Oui, voilà, mais là, voilà, la frontière, tout simplement. Ah, c'est un petit peu décalé par rapport avec la carte, parce que quand on regarde la carte de France, voilà, nous sommes en Belgique. Tadam ! Excellent ! Spécial, hein. Donc un grand coucou, un grand dédié, un grand salut à tous les amis belges qui me regardent, parce que je sais que vous êtes nombreux, vous êtes une petite part de la communauté de LZC Fox, enfin de Fox on va dire, ou de ma chaîne, à regarder mes vidéos, alors que ce soit en ce moment sur ETS2, Euro Truck Simulator 2, ou sur Spin Tires. Donc, je vous remercie à tous, parce que j'en connais quelques-uns, et du nord de la France, beaucoup du nord de la France, et surtout de la Belgique. Donc, amis aussi, youtubeurs, que je connais, pas personnellement, mais que je connais via YouTube, où on a pu jouer aussi ensemble, quelques fois. voilà. Épisode 120 dédié à tous nos amis belges. Voilà, un grand clin d'œil, un grand coucou, un grand bonjour et tout ce qui s'ensuit, pour vous remercier à tous, hein, de suivre et de toujours partager quelques vidéos ensemble, de jouer ensemble et des petits coucous via les commentaires ou Facebook ou Twitter. Voilà, c'est toujours agréable, c'est toujours appréciable. Voilà, 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 en tout cas ce que je pouvais dire dans cet épisode de principal. Alors sachez que la note de Jérémy, hein, comme je vous l'ai dit, épisode 121, où on n'hésitera pas à divulguer cette fameuse note en faisant la moyenne après les 72 commentaires. Il y en aura d'autres et on verra. Espérons qu'il soit au-dessus de 5. Donc si vous n'avez pas encore donné votre note sur l'épisode 119, n'hésitez pas, allez sur la page ma chaîne YouTube et n'hésitez pas, allez-y. Et puis, allez-y, faites-vous plaisir, laissez une note avec un commentaire qui soit sympathique, même si c'est une critique mais constructive, ça fait toujours plaisir. Voilà, alors je voulais aussi dire une dernière chose avant qu'on, parce qu'on va pas tarder à arriver, encore un petit trajet, mais on est vraiment pas loin. Je vais accélérer un petit peu la cadence. Épisode spécial, hein, comme je l'ai dit, sous la flotte, c'est vraiment bizarre, hein, ça me fait bizarre. On y voit quand même, j'avais peur que s'il pleuve, je m'étais dit si jamais il pleuve, et bien que j'y voyais rien et que je vous propose un contenu où on voit que Nini. Mais si, ça va, on y va, on y va, on y va. Je vais quand même faire attention parce que c'est limite. On n'a pas interdit de doubler déjà. On arrive quoi? C'est quoi? Une zone de travaux? C'est péage? Ah ben non, c'est un train. C'est un train, d'accord. Le gars qui y voit rien. En plus, en plus, en plus. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai changé de lunettes. Alors, je sais pas si vous le voyez. Là, maintenant, j'y vois en 4K. Avant, j'y voyais en HD. Maintenant, j'y vois en 4K. Non, mais sérieux, sérieux. Alors, ça aussi, c'est une petite parenthèse. Je voulais vous dire, tout simplement, que depuis 2 ans, j'ai des lunettes. Depuis 2 ans et demi. Parce que j'étais comme tout le monde. Je me disais, mais j'y vois nickel, c'est nickel. Et passer les 40 balais, bah ouais, bah oui, mais il m'a fallu parce que j'avais une toute petite, mais alors, légère correction.
Alors tous les amis, la quarantaine, vous allez me dire, vous allez vous y retrouver dans ce que je vais vous dire. Et eh ben, j'ai eu des lunettes. Mais surtout, parce que moi je suis pas comme les autres, c'est surtout des lunettes. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Il y a encore un train ou quoi? C'est quoi ce Bins? Putain, je klaxonne, il y a un coup d'orage. C'est quoi ce bazar là? Mais dites pas qu'il y a encore un train. Ben, je sais pas ce qu'ils foutent. Mais il y a Bins là. Ah mais il y a encore... Désolé, il y a encore un train. Donc je reprends par rapport aux lunettes. Donc il y a 2 ans, mais j'étais faire un contrôle et puis il y a une petite correction. Mais bien sûr, comme je n'ai jamais de bol, comme je suis toujours enfulé par les sorcières, eh bien, il y a le fait que la luminosité me provoquait un mal de tête ou mal aux yeux. Donc j'ai des lunettes qui ne sont pas par rapport aux UV, mais qui sont tout simplement par rapport à la luminosité du moment où je me trouve. Donc mes lunettes se teintent. Là, vous ne le voyez pas, malgré que j'ai ma petite lampe à 2 balles en plein dans la tronche, mais ça ne va pas jusqu'à teinter. Mais il y a encore un train, mais c'est quoi ce Bins? Donc, elle ne se teinte pas, mais quand je vais dehors, j'ai l'impression d'avoir, ça me fait des lunettes de soleil. Bon, j'ai l'habitude, mais ça m'a sauvé la vie parce que depuis que j'ai ça, même quand je suis à mon travail ou quand je suis dans un magasin, par exemple, avec l'éclairage assez fort, eh bien, tout simplement, j'ai mes lunettes qui se teintent légèrement par rapport... Elles s'adaptent au lieu où je suis par rapport à ma vue. Et dernièrement... j'ai voulu changer de monture tout simplement parce que vous savez, vous avez des petits œillets. Je sais plus comment ça s'appelle, vous allez le voir à l'écran. Mais qu'est-ce que c'est ce pin? C'est une constante de train aujourd'hui ou quoi? Et vous avez des petits œillets dans le coin et maintenant il n'y en a plus. C'est carrément le plastique qu'il y a et il y a plus, ça fait plus de marquage, ça fait plus mal. On ne les sent plus, il n'y a rien, elles sont super légères. Voilà. Et je me suis dit, il me faut ça. Et du coup, j'ai été obligé de repasser bien sûr à l'ophtalmo pour voir s'il n'y avait pas une correction. Et finalement, j'avais une correction presque au double. Vous vous rendez compte? Eh bien, sachez que quand j'étais voir l'ophtalmo qui m'a fait voir la vue que j'aurais avec ces lunettes et mes anciennes lunettes, c'était la folie. Je me suis dit, c'est incroyable. Avec les anciennes lunettes, pour moi, j'y voyais super bien. Mais alors là, j'y vois une mouche sur le cul d'un âne, même dans le pré là-bas au fond. N'importe quoi. Donc voilà. Mais bon, c'est pas possible là. Là, c'est pas possible qu'il y ait tant de trains là. Bon, alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis resté. Alors, je vais vous le dire, je suis resté plus de 5 minutes devant cette foutue barrière qui n'a pas voulu se lever. Donc, j'étais obligé de la contourner et on reprend. C'est pour ça qu'il y a une toute petite ellipse. Mais c'est dingue cette barrière qui n'a pas voulu se lever. Est-ce que c'est un bug? Est-ce que... Je ne sais pas. Je ne sais point. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Donc voilà. Alors, je reprends par rapport à l'histoire des lunettes. Et du coup, j'ai refait faire ces lunettes qui maintenant... alors, c'est impressionnant. Quand je les ai mises hier d'ailleurs, quand on a été les chercher avec Miss, qui elle a refait aussi ses lunettes, je peux vous dire que j'ai pris une gifle. J'ai été impressionné de la qualité d'image, la qualité de ce que je pouvais voir avec ces verres. Alors vous allez dire, c'est bien et pas bien. C'est bien parce que bon, ça me permet maintenant d'y voir super net, mais même de loin et tout, c'est pas des verres progressifs, hein, c'est des verres normaux. Mais c'est inquiétant parce que vous dites, mais plus on avance dans l'âge, plus la vue baisse. Et ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur. Bon. C'est vrai que c'est bien, mais alors voilà, donc nouvelle lunette, je sais pas la tronche que ça me fait, dites-moi ce que vous en pensez, si vous vous en foutez d'ailleurs. Je peux comprendre, wouhou, je peux comprendre, mais moi je m'en fous pas parce que maintenant j'y vois encore mieux qu'avant, alors que pour moi avant j'y voyais super bien. Voilà, bon c'est comme ça, c'est comme ça, la vie avance très vite aujourd'hui. Et ce que je voulais vous dire en fin de compte par rapport à tout ça, la petite conclusion de cette petite histoire, c'est tout simplement faites gaffe que si vous pensez que vous, si vous voyez bien, ben, de temps en temps faites un contrôle. Alors je ne veux pas faire le gars qui fait la prévention pour les lunettes, loin de là, hein, mais franchement loin de là. Mais n'hésitez pas parce que ben, je croyais que j'étais, comme les autres, me dire bon ben voilà, j'y vois nickel. Puis finalement, en l'espace de 3 ans maintenant, 2 ans et demi, 3 ans, et ben je suis...
Oui, j'y voyais bien, mais bon, avec quelques petits soucis pas de flou, pas de. Mais pour moi, tout allait bien. Puis finalement, il y avait une correction. Alors j'ai quand même 10-10, mais il y avait quand même une correction au niveau de la netteté et surtout de la luminosité pour moi. Et je comprends maintenant. Et alors, je peux vous dire que depuis 2 ans, même avec les anciennes lunettes, c'est un régal d'aller dehors et tout, parce que je vivais à 100% avec des lunettes de soleil à l'extérieur. Et croyez-moi, quand vous avez des lunettes de soleil l'hiver et que vous baladez en bagnole ou que vous allez rentrer dans une grande surface, eh bien on a l'impression que vous êtes en touriste. Et c'est vrai que c'est pas top top. C'est vrai que c'était pas top top. Donc depuis 2 ans je revis, mais alors là je revis encore mieux. Mais encore mieux. Voilà. Voilà la petite parenthèse, on n'y voit que dalle, c'est cool. Liège, vous avez vu sur le panneau. Sur le panneau, Liège, bien, 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 bien. Allez, ben on va se rendre, on va filer sur Liège. Donc épisode 120 classique, hein, je vous l'ai dit dès le départ. Rien de bien affolant, rien de bien en cours. Et on va finir, parce que là on est arrivé, on va terminer tout simplement par... j'aimerais que vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors je sais pas si je vais même pas déclencher un tout petit sondage en haut. Pour que vous me dites ce que vous en pensez, un genre de vote sur les vidéos que j'inclus dans mes vidéos habituelles de Spin Tires, de ETS2, où j'inclus maintenant Spin Tires avec le fiston. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous branche? Est-ce que vous avez trouvé ça bien? Nos vidéos, bon, tu tournes dans le coin. Voilà. Si vous avez aimé, je vous conseille de regarder la partie 2, l'épisode 2 sur la map rock de Spin Tires avec Jérémy, parce que franchement, on a... Ah non, je passais. Enfin, je pense que je peux passer. Ça se baisse pas. Non, c'est bon. C'est bon. Parce que j'ai peur que si elle se bloque, on reste notre vie devant cette barrière. N'hésitez pas à regarder la deuxième partie de notre aventure, notre exploration sur la map rock de Spin Tires avec Jérémy, parce que on a inventé un petit concept, on a inventé la vue GoPro avec la caméra GoPro. Je vous laisse découvrir ça, nouvelles animations dans l'épisode 2 avec, je sais pas si je peux le dire. N'ayez pas peur, si à un moment donné vous voyez des insectes à l'écran, si vous voyez des choses apparaître à l'écran, vivantes en plus, vivantes, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder, je vais vous laisser regarder, je pense que je vais le mettre en ligne en début de semaine, hop là, et vous me direz, vous m'en direz des nouvelles, voilà. Allez, on met le fin de parking, on va voir comment on va tout simplement se stationner. Comment on va se stationner? On va faire en jouant la sécurité, désolé je suis pressé. On va faire jouant la sécurité, parce que sinon ça va faire un peu trop long. J'ai pas envie de faire trop long, rejoignez l'emplacement de déchargement. Ok, il est où l'emplacement de déchargement? Putain mais il pleut là, c'est une dinguerie. On va faire une vue extérieure, à mon avis ça va faire un bruit méga dingue. Ah mais c'est là. C'est là. Ouais, c'est juste là. Ben, impeccable, on va se mettre là. Hein. On va essayer de se positionner comme il faut. Ouais, c'est là. Oh, on voit le camion. Alors là, j'ai activé le petit zoom. Hein. Voilà, on va se mettre tranquille ici. J'espère que ça va être bon. Je vais pas avoir à me reprendre. On va décaler un tout petit peu là. Voilà. Et normalement, voilà, c'est bon. Impeccable. J'allais encore me mettre au point mort. Regardez. Regardez, on voit le camion juste en face. Voilà pour la partie qui zoom. Et nous sommes à Liège. Hein. À Liège, on va faire une vue extérieure quand même. Hein. Voilà, bon, je suis mal garé, c'est vrai, mais bon. Petit fanion de la Belgique. Petit fanion, enfin, petit drapeau de la France. Voilà. Eh ben, c'est pas chouette dehors. Hein. Alors, pour une fois, on va rester. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas chouette du tout. Hein, pour se mettre à l'extérieur. Hein. Bon, je vais essayer. Oh, mais c'est la folie, je peux pas aller dehors. D'habitude, je termine ma vidéo dehors, mais là, je vais pas pouvoir. On va enlever le GPS, on va enlever les petits rétros. Voilà, chose faite. Hop, hop, hop. On va se mettre comme ça. Allez, on va se mettre comme ça. On va même éteindre. Voilà, le moteur. On va éteindre. Non, j'ai mis le fin de parking. Hop, fin de parking. On va couper les essuie-glaces. Je sais pas s'ils sont coupés. On va profiter de l'orage. On va se mettre comme ça et je vais faire les petites animations. C'est une première là aussi. Je peux pas aller dehors. Si je vais dehors, je vais me mouiller la tronche. Ah, on va dehors. On va aller voir le bruit que ça fait.
C'est trop. Voilà, on va rester, on va faire une vue comme ça sur la tasse L7C Fox, hein, ou sur le fanion L7C Fox. Voilà, petite vue bien sympathique. Allez, je reste comme ça. Et j'espère que je ne vais pas avoir une crampe. Donc, merci à tous d'avoir regardé cet épisode 120. Réagissez dans les commentaires. N'oubliez pas la vidéo Spin Tires. La vidéo Spin Tires avec Jérémy, la deuxième partie sur la map rock. Franchement, vous allez m'en dire des nouvelles. Je pense que ça va vous plaire. J'ai le palu. Faut que je me concentre. Chut. Je vais me mettre comme ça. Voilà, c'est bien comme ça. Chut. Allez, bonjour à tous. Ciao et à l'épisode 121. Salut à tous. Bye.